Quand on arrive dans des endroits, il y a toujours une putain qui parle. C'est des nanas qui arrivent à se trouver sur des chantiers. Et s'ils peuvent baiser un homme, un ouvrier, un père de famille, ils arrivent à le faire. Mais nous, les femmes, on est plus fortes encore. On surveille. Parce que si on vit cette vie, bon ben, j'estime que on se déplace avec nos maris. On voit pas pourquoi qu'il y aurait une salope sur le chantier pour que le mari la nique, quoi. Eh bien, c'est fini. Hein. Le plein est fait. On est emmerdé avec une pompe, mais c'est pas grave. L'autre, elle pompe. Alors, c'est l'essentiel. Ouais, ouais, je vais me changer, je vais pas rester comme ça. Jérôme, après, tu vas dans le fourgon. Tu prends ma caisse à outils. Ma caisse à outils. Et tu la mets dans la malle de la BM. Et tu la mets dans la malle de la BM. Parce que demain, il faut que je récupère tout mon outillage. Ouais, parce que demain, il faut qu'il récupère tout son outillage. Arrête de... Voilà, c'est tout. Ma gueule. Et continue. De quoi? Enfin, moi, c'est un métier que j'aimerais faire. Tu aurais trop... toujours déménager comme ça. On a choisi cette vie, il faut l'assumer. Ouais. Ouais. Où est-ce que vous allez bouger? À Morienne, mais où l'adresse, je ne l'ai pas. Je l'aurai que demain. Je l'aurai en même temps que la feuille de mutation. Ben c'est gentil de m'accueillir à l'apéro. Ben oui, vous allez me regretter, hein, Jacqueline. Ah oui, certainement. Vous allez dire, oh, les sales Français. Ah non, certainement pas. Au contraire, ça nous fait de la peine que vous partez. Je préfère avoir des voisins comme vous le reste de ma vie, hein. Parce qu'on était très bien, on n'entendait jamais une rumeur dans votre caravane. Je me suis mise en caravane il y a 17 ans. Bon, je m'habillais en 35, en 36, hein. J'étais mince. Et voilà, hein. Et on continue on à n'a pas d'activité, pas pareil. Et puis j'ai grossi, puis voilà. Oh, quelle merde. De toute manière, à chaque fois qu'on déménage, il pleut alors. On n'a pas de chance, on est venu ici, il pleuvait, on repart, il pleut. Allez, sors de là, Tommy. En Belgique, on n'avait pas de chance. C'est le bordel, hein, pour la sortir, hein. C'est tellement bouilleux. Ça va patiner, hein. Quelle merde. Et puis, que t'es parti là-bas, tu roules sans papier. Je vais aller au WC. Hey. Tu voulais aller au WC? Oh! Putain, mais elle est super foutue celle-là! Ça peut aller, le camion il fait son boulot. Maintenant, c'est au chauffeur de faire le sien. De lui faire l'entretien comme une gonzesse. Si ça n'entretient pas, ça casse. Les gonzesses, c'est pareil. Ça ne fait pas, elles se barrent. Une fois qu'on arrive à des endroits, les gens ils ne veulent pas de caravane. Hein. Parce qu'eux, ils s'imaginent qu'on est des gitans. J'en ai trouvé qu'un pour l'instant. T'as pas trop le choix. Ouais, parce tu parles, t'as dû picoler, ouais. Mais t'as pas dû trop travailler pour chercher ils en des places. Plus. Hein. Ça fait plus d'une semaine qu'il cherche un appart, il arrive même pas à trouver un appart. Ah bon? Heureuse année. Hein. Toi aussi, Robocop. Ah ouais, faites bonne année. Et tu me tiens parce que la régie va se casser. Ouais, ça tient. Et tu crois pas qu'on va rester ici, hein? Décolle pas, hein? Si. Non, mais tu rigoles, non? Et on s'est tapé 800 bornes, hein. On se pèle. On voudrait bien qu'on trouve une place d'ici soir, oui, oui, hein. Oui, oui, on continue comme ça, on finira comme des bonhommes de neige. T'es pas jaloux, le Robert? Il me tenait par la taille. Et il vient me faire assommer par Robert. Attention, Rosa, il m'a... L'arabe, il a piqué ma femme. À côté des ateliers où tu t'es garé, il y a un gars qui fait une entreprise de maçonnerie.
Et on va lui demander l'autorisation de se mettre chez lui. Il a une plateforme en gravier, il y a possibilité d'avoir le courant et tout, en provisoire. Hein. Parce que là, avec le temps qu'il fait... Ouais, merci. Salut. Si on se met ici, là on a une belle place. Hein. Et on n'a pas à chercher loin. On est à 500 mètres du village. Il y a un lycée, il y a tout. On ne va pas aller s'amuser à courir à droite et à gauche. Il y a le DHLR. Et là, on les fait venir. Et c'est bon. Donc on va rester là maintenant. Ah ouais, je crois qu'on va rester là, ça sera le mieux. C'est mieux. Oui, j'ai un trou, comme j'ai des écoulements, donc la machine avait tous les os perdus, quoi. Ainsi que le WC. Bon, bah, comme il n'y a pas le tout à l'égout, il faudrait qu'on puisse faire un puits, quoi. Un trou avec de la pelle. Il met des tonneaux percés et tous les écoulements vont dedans. Tous les eaux perdues. Il faut l'autorisation. Alors, s'il n'y a pas d'autorisation valable, on ira chercher ailleurs. Tu vas rester un peu là, parce que si on doit partir, il faut m'aider à tout ranger à nouveau. Oh, tu vas pas partir sans savoir où tu vas aller. Oui, d'accord. S'il vient de dire qu'on peut pas, faut qu'on trouve une place, on va aller voir, hein. Eh oui, mais là, tu peux pas dire on va tout ranger et partir. Tu vas partir où? Non, mais pour enlever déjà... Il faut trouver une place, alors. Là, il y aurait que moi, il y a longtemps que j'aurais démissionné, hein. Ah ouais, ouais. Il n'y en a plus. Mais tu peux démissionner, je te renvoie chez ta mère, hein. Oui, bien sûr. Ça, c'est pas un problème, hein. Pourquoi tu l'as pas dit, on est passé à côté? On est passé à 60 km. Attendez, t'es pas loin. Et toi, tu feras le barbeau? Moi, je te laisse là-bas et puis je continue tout seul. Ça, c'est pas... Mm-hmm. Nos problèmes. Là, pour une fois, on n'a pas trop cherché. C'est déjà pas mal. Attends, c'est pas terminé. Faut attendre la réponse. Alors, c'est les écologistes qui nous font chier, c'est tout. On devrait leur faire payer l'autoroute 3 fois quand ils la prennent. Oh, qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que tu fais. Et je sais pas ce qu'on va faire. Bon, ce là, il faut tirer jusqu'au tout à l'égout. Quoi? C'est par là, des fois, peut-être il aura. Ils ont le. Mais je te dis que les pays, ils te veulent pas parce qu'ils ne veulent pas depuis perdu et c'est tout. Il faut se brancher au tout à l'égout. Oui, mais il y a le tout à l'égout là. Il y a le tout à l'égout, tu vas t'y brancher toi, t'as au moins 300 mètres de tuyaux. Mais non, mais c'est pas ça, mais il y a bien un paysan que le tout à l'égout passe vers chez lui. Ah oui, mais tu crois que tu veux trouver des paysans ici, toi? Non, attends, je sais pas. Hein, on va les voir, de toute façon. Parce que là, on tombe au point de départ. C'est pas possible, ça, hein? Fais attention à ce que tu fais. Il met son franc et... Il a renversé la bouteille, tout tombe par terre. Tu crois qu'il a pensé de me frapper de merde comme ça? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va casser une croûte comme ça? Hein? Je vous souhaite la bienvenue chez nous. J'espère que vous trouverez facilement de nouveaux camarades. Bien, alors, voyons un petit peu les questions administratives. Je tiens un petit coup d'œil. Examen de français, examen de maths. Merci. Donc, ce sont des classes de Belgique. Est-ce que vous savez à quoi correspondent en France ces classes d'ivoire? La première, c'est la cinquième. La deuxième, c'est la quatrième. La troisième, c'est la troisième. La cinquième, c'est... Non, mais là... La première, c'est la cinquième. Donc, toi, tu serais en cinquième. Tu es né en 1980, tu as donc déjà redoublé les classes. Combien de fois tu as redoublé? Tu sais pas. D'après ton âge, ce serait deux fois. Ouais. C'est cela? Tu le confirmes? Je vois que les deux enfants n'ont pas le même nom. Je suis divorcée. De famille, d'accord. Et donc les enfants ont deux pères différents. Oui, donc, ça c'est ma fille avec mon deuxième mari, d'accord. Et ça avec mon premier. Très bien, d'accord. C'est bien. Les choses qui arrivent. Hein. C'est bien clair. La neige, il y en a pas mal ici. Hein. C'est drôle les maisons comme ça. Hein. Petites rues. Hein. De toute façon, il y a que des petites rues en montagne. Qu'est-ce que ça s'appelle? Une école?
Bon, je crois que je vais boire une petite bière maintenant, avant de recourir. On a un beau portail, c'est déjà pas mal. Voilà. Ouais, faut reculer au moins d'un mètre cinquante. J'ai acheté des côtes de porc pour ce soir. J'ai acheté des tomates, faire une salade de tomates, poivrons, oignons. Non, mais me choule pas, oignons, me choule pas, c'est pas le moment de me chouler. Des petits champignons, là. La gêne, c'est pas le moment de me chouler, je suis en colère. Une bonne côte de porc. Ah, la marche arrière, c'est... T'es en colère, et ben y a pas que toi. Je suis pas un homme, j'ai pas de cacahuètes, mais j'en ai ras le bol. Bon, mets-les dans la baignoire, Audrey. Biggie, remets-les dans la baignoire. Ah, ils gèlent, là. Bah, rentre-les, moi je m'en fous. Rentre. Bon, c'est vrai qu'il y a de la glace. Attends, on va rentrer pour ça, pour ça. Papa, mets-toi, ça caille. Allez, va coucher. Oh non, elle est nu-pied, non. Pas nu-pied, non. On n'a pas d'eau, elle a gelé. Ah, mais il va falloir en trouver une autre. Hein. Faut que j'en trouve une par là qui est de l'eau chaude dans la maison. Mais là, mais... Dès qu'on arrive, on les met à l'école. Voilà. Regardez la folle de Chaillot qui se lève. Ça va aujourd'hui. Ça va. Eh bien, c'était aux intempéries, tu vas chercher la pelle et tu vas faire la tranchée. Non, moi, j'aime pas qu'on fume le matin. Moi non plus. Alors, il y a un truc que j'ai horreur, c'est qu'il y en a qui se lèvent, qui fument. Oui, bah alors, arrête, moi, ça empêche tous. Je supporte pas. Arrête, empêche tous. Après, je suis là toute la journée, moi. Non, je fais comme des crises d'âme, je tousse. Ah, de d'asthme. Ah bon, t'as pas dit crises d'âme. Ouais, ouais, t'as dit ça. Plus menteuse que toi, va me la trouver. Bon, oui, c'est pour pas qu'il fume, parce qu'après, je tousse. Et j'ai encore mon temps, je vais pouvoir aller à l'école. Ah, lui, tousse alors qu'on fume. Toi, ici, tu devrais te guérir, hein, pourtant. T'es dans l'altitude. Non, mais pas qu'on va avec des sapins aller au toubi. Quoi? Tu vois, j'ai fait que de tousser cette nuit. Parce que j'ai pas dormi. La nouvelle adresse? Je sais pas. Je connais pas encore. Je sais pas quel chemin il m'a dit que c'était. Je ne me rappelle plus. On ne l'a pas noté, on verra ça demain. L'adresse sera demain.